Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Prey sur PC. La France est arrêtée ici. Donc je vous explique un peu, j'ai essayé donc de régler au maximum les paramètres. Malheureusement, il y aura certains petits freeze. C'est comme ça pour tout le monde malheureusement, tout le monde est affecté. Je n'y peux rien, malheureusement. Voilà, on va tout de suite commencer. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. On va regarder ce mail déjà, oui. Mal aux yeux. Oui, il y a une petite coupure vite fait. Allez, on va pouvoir continuer. Ah, oh, ça y est, ça le refait. Bon, c'est pas grave. Je crois que là-bas il y a quelque chose. On va y aller plus tard. On va d'abord aller dans la zone annexe, donc qui est en dessous. Celle-ci. Bon, on avait une quête annexe la dernière fois. Malheureusement, il y aura certaines baisses de framerate comme ça. Malheureusement. Par exemple, ces baisses de framerate à 30 là. Que je peux rien faire pour. Allez. C'est bon. Veuillez contacter un ingénieur. Ok, est-ce que tout s'ajoute au moins? Beaucoup de choses. J'essaie de regarder mes quêtes, attends un petit instant. D'accord. Désolé pour ça, j'ai pas le choix malheureusement. Ça c'est chiant. Pourquoi ça fait ça? Allez, arrête. Bonjour Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. D'accord. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Qu'est-ce que je vois, c'est ça? Notre temps, on prend notre temps. J'espère quand même que ce sera pas trop mauvais la qualité, vous inquiétez pas, je suis aussi affecté par ça. C'est assez chiant pour tout le monde. D'accord.
Alerte système. Réparation nécessaire. Ah, ça lag. Fuck. Comment ça se fait? D'accord. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Bon, ça va, ça m'a l'air quand même d'être potable au niveau de la... du graphisme. J'ai pas encore assez. Alerte système, réparation nécessaire. Alors, je pense pas que j'ai les neuromones nécessaires pour la réparation de. Il manque donc un point. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Je suis l'ingénieur qualifié, Benan. Nice. Qu'on va pas se trouver pour lui. De nouvel opérateur. Opérateur. Bonjour, content de vous voir. 490. Prêt au... Diagnostic en cours. Aucun traumatisme ou maladie détecté. J'ai bien peur de ne pas vous être utile, à moins que vous ne vouliez une anecdote médicale ou une blague. C'est vrai que pour le moment, comme j'en avais pas le tilté, j'aurais peut-être dû attendre. Hein. Ça va, il n'y en a pas. Bonjour, content de vous voir. Pardonnez-moi. Oh oh. Et on va s'en occuper.
Combien de munitions? Munitions. Je vois pas. Ah, elles sont là. D'accord. C'est quoi? C'est 3, 2, 4. C'est 3, 2, 4. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? C'est 3, 2, 4, c'est 3, 2, 4. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Ici? Non. Il doit y avoir quelque chose. Bonjour, content de vous voir. 7, 3, 2, 4. Je ne sais pas du tout. Peut-être que j'ai une carte. Distributeur d'opérateurs. Porte de sécurité. Cycleur d'alimentation. Parlez-moi de votre rêve. Mon rêve? Oui. Je suis dans mon labo et je suis devant le miroir. Vous êtes seul? Oui. Que voyez-vous dans le miroir? Rien. Au début, je ne veux pas l'allumer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je l'allume. Et ensuite, c'est comme un immense trou noir. Les ténèbres, à perte de vue. Il y a une forme qui nage dans le noir. Je l'aperçois brièvement, je devine sa silhouette. J'ai l'impression qu'elle veut passer de mon côté. Il faut que j'éteigne le miroir avant qu'elle me voie. Mais je me réveille toujours avant. À quoi est-ce qu'elle ressemble? La silhouette dans le miroir? À rien. Est-ce qu'elle ressemble à cette image? Docteur Calvino? Est-ce qu'elle ressemble à ça? Non, 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 c'est... je ne... Vous en êtes sûr? Où avez-vous eu ce dessin? Vous m'avez espionné? Je ne veux plus vous parler. D'accord. Sarah et Lazare, on essaie de tous les écouter, hein. Sarah, entrez. C'est Sarah. Mais vous pouvez m'appeler Chef et Lazare. Matt. Mathias, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais votre nom est Sarai dans le dossier. On en a déjà parlé. Ma mère l'a américanisé. Est-ce qu'on va passer les prochaines 59 minutes là-dessus? Si c'est le cas, on peut arrêter tout de suite. Nous avons déjà discuté de votre mère. Je pensais qu'aujourd'hui nous pourrions parler des choix de carrière qui en ont découlé. M'engager dans l'armée n'était pas une excuse pour échapper à ces réflexions, Matt. J'étais seulement tourmentée. Et vous allez mieux maintenant? Vous n'êtes plus tourmenté? Je vais bien. Parce que votre dernier acte de service était l'évacuation. Et d'après les rapports... J'ai sauvé autant de vies que possible. Pour chaque soldat perdu, on a sauvé une centaine de civils. Oui, c'est tragique. Toutefois, perdre des hommes sous votre commandement... Ça en valait la peine pour le nombre de vies et pour l'unification de la région. Se lancer dans une bataille perdue, affronter non pas des troupes ennemies, mais l'équivalent d'une catastrophe naturelle. Ce n'était pas naturel, mais causé par l'homme. Ça m'a préparé pour cet endroit, Dr. Cole. Parce que cette station, c'est la même chose. Une catastrophe inéluctable. On est bien entraîné, mais mal équipé. Les recherches sont dangereuses. Les secrets sont dangereux. Vous en savez quelque chose? Ok, on va prendre cet enregistrement, on va y aller.
technologiques sont une perte. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Comme sur Terre? C'était différent. Vraiment? Accès de colère, problème avec l'autorité. Un an de thérapie, ce n'est pas rien. Ces dossiers étaient censés être clos. Êtes-vous en colère? Oui, ça commence là. Comment était votre vie sexuelle? Avez-vous une nouvelle relation? Non. On dit que vous avez été vu avec Mademoiselle Foyle, l'ingénieure du département sanitaire. C'est le chef du département sanitaire. Et on n'est pas ensemble. Le docteur Devries promet de les faire aussi rapides. Et cette séparation, est-elle due à des accès de colère? À des problèmes avec l'autorité? C'est bon, j'en ai ma claque. Faites votre rapport au You, je m'en fous. Ils mettent la station en danger, comme Transtar Nord et comme sur Terre. Vous autres, ordures malveillantes, allez l'enterrer avec vos évaluations psychiques à la con. Et encore une chose. Ok. On va retourner en arrière. Là, il n'y a plus rien, j'ai tout hésité. J'avais oublié qu'il y avait un étage encore au-dessus. On va y aller. On va tester l'opérateur médical qui était juste là. Je t'avais pas vu toi. Je crois que... Pas vu ça tiens. Carte de la zone. Très bien. Contactez un ingénieur qualifié. Bonjour, ravi de vous revoir, Dr. You. Diagnostic en cours. On dirait que vous avez eu une rude journée. Il n'y en a que pour une seconde. C'est terminé. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Merci bien, mon cher. C'était quoi déjà? Ah oui, non, enfin, qu'est-ce que je suis bête. Je commence à oublier ce que je voulais faire. On remonte. Ah, c'est qu'une baisse de... Qu'une baisse de 1 FPS, mais bon, c'est quand même une petite baisse quoi, c'est assez chiant, je suis désolé. Et je peux rien faire en attendant. Changer l'ordre. Cinq. Une chaise, c'est sûr, c'en est un. Est-ce que je trouve laquelle? Je pense aussi... Ah non, c'est bon, on peut pas améliorer la clé, sinon j'aurais fait.
D'accord, il y a l'air de rien avoir d'autre pour le moment. On y va. Ouais, il y a aussi des baisses à 30 fps également. Là, c'est un peu plus chiant, mais je peux rien y faire malheureusement. Je sais pas d'où ça vient. J'ai cherché pendant un certain moment, je peux vous l'indiquer. Pourquoi est-ce que j'ai... Voilà, on ira après. Alors attendez que j'essaie de regarder les quêtes qu'on a. Ça on range, voilà. Sur son cadavre, de la chambre. Département psychotronique, est-ce que j'aurais peut-être quelque chose sur ça ? Apparemment pas encore. Il y en a encore. Hein. Pas bon, c'est... on fouille hein. J'espère que vous n'entendez pas mon clavier au moins, malheureusement je n'ai pas le choix. Neurode. Très très bien. Allez, on s'occupe des neuromodes. Ouais. Qu'est-ce que y a? Est-ce que je peux améliorer
4-4. Ça et ça. Allez, arrête. J'ai pas le choix que ce soit la gang comme ça, malheureusement. Mais bon. Pourtant, j'ai tout le matos pour, mais bon, si je lui veux pas là. En fait, on peut penser à BioShock, cette ambiance. Correspond à quoi ici? À sortie. Alors si, sortie vers où? D'accord. On ira à l'atelier du docteur Calvino plus tard. Mais la question, est-ce que ça réapparaît, c'est ça le truc ? Je pense pas, hein. Maintenant qu'on est là, on va faire un peu de tour. Normalement, je devrais être capable d'avoir des opérateurs ici. Est-ce que... Quelqu'un dit quelque chose, fabricateur, ouais. Ouais. Allez, on y retourne. Non, sans deck. Des nouilles Yodan. Les nouilles les plus populaires au Japon. On va passer par là, à mon avis. Non. Je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Heureusement qu'on a de quoi se régénérer.
peux le casser? Non. D'accord. Faisons le tour d'abord. Oh. Je m'en doutais. Saloperie. Saloperie, tu reviens. Tout de suite. Donne des frissons. Chaque fois, je sursaute. Je crois que je le laisse s'enfuir, il va faire peur à chaque fois. T'es où? Tu reviens. Il s'est enfui, je sais pas où il est. On va ouvrir un de ces chiottes, tu vas en avoir un dedans. Je savais que t'étais là. Elle est pas loin. Non. Enflure. Ça fait peur. Mimi qui va. Saloperie de mimique.
ne peut pas. Vous aurez du mal à vous y rendre. L'ascenseur principal ne fonctionne pas. Le système m'a dit que tout va bien. C'est juste que le code de diagnostic change à chacune de mes requêtes. Je cherche une solution de contournement. Est-ce que tu es... C'était pas ça, je ne me rappelle plus que c'était. Bon, force 3. Même pas encore force 2 alors. Mais c'était quoi ici? C'était pas 3 de 4 normalement? Non, je sais pas. Aucune idée. Bon, maintenant on va aller là où était notre cher mimique. Il va nous sauter dessus, cette enflure. Bonjour Talos. Attention, toute tentative de modification des commandes administratives sur les postes de travail ou digicode peut se solder par une décharge électrique. Bon, ici y a rien à faire. Ok. On va à la suite, hein. On n'a pas beaucoup avancé dans cette vidéo, on aura surtout fait des choses annexes. Mais c'est pas grave. On va tout vider déjà ici. Ça, ça devrait être un peu mieux. On va regarder ce qu'on a là-dessus. Un peu de régène de vie. Un petit peu de régène de sac. Enfin, d'armure, pardon. De combinaison plutôt. Et on va pouvoir y aller. Je pense qu'on pourra s'adapter assez rapidement de sur ce jeu des baisses de frame, hein, j'espère. Voilà.
Aïe. Pas du tout ce que j'espérais, mais bon. Ok. Rien ici. J'ai oublié, oh là là. J'ai encore de la place. Ça va. Alors, encore qu'ils sont en vie, pas ce que je voulais faire. On est où ? Ici, on est où ? Laboratoire technique. Bon, ce sera déjà une zone. Ah oui, utilitaire. Carte de la zone. C'est ça le cahier de sécurité ? Non. Ah oui, c'est bon, je me rappelle ce que c'est. Cahier de sécurité, c'est ça là-bas, la porte qui est juste là. Ajustement de l'inclinaison requis.
Allez, j'ai obligé de mettre l'écran vers le haut. On va essayer de faire une heure de vidéo pour celle-ci, on s'arrêtera. Je parle pas trop, hein. J'essaie donc de profiter de l'ambiance au maximum en même temps que vous, je pense, hein, même si avec les lags c'est pas très très facile. L'atrium menant au laboratoire est verrouillé. Vous pourriez chercher la carte d'accès, mais il existe probablement un autre moyen d'entrer. Et l'improvisation a toujours été votre fort. Je suis curieuse de voir comment vous allez procéder. Je crois savoir, mais nous verrons bien. Voilà, où est-ce que je peux encore être allé? Je peux pas encore y aller, c'est ça? Ces escaliers. Porte de sécurité. Tac tac tac, scène de présentation, atelier. On va déjà en monter par là-haut pour voir ce qu'il peut y avoir. À chaque fois je vois un fantôme. Pas le feu, ça pas le feu. Si à chaque fois que je vois un ennemi ça lag, ça va pas le faire, je peux vous le prévenir tout de suite. Je ne peux pas être d'accord. Combien? On est 3. Ah.
Alors, regardons ce qu'on a. J'ai été voir la personne qui était à terre? Non, je pense pas, hein. Ouais, je pensais aussi. Pistolet m'a l'air assez bien. On va l'améliorer. Je peux encore l'améliorer une fois, peut-être? J'ai l'impression. Ah là 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 là, vraiment désolé, hein. Vraiment désolé, désolé. Chose derrière, j'ai l'impression. T'es où saloperie? T'es là, je t'ai pas vu. Sale tête mimique. Ça devient ridicule là par contre. S'ils savent pas optimiser leur jeu aussi. Quand je dis pas que ça vient de mon PC, je tourne à 60 FPS constant, c'est quand je vois un seul ennemi ça fait ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Gulbert de Gloville. Oh, il y en a qui s'amusent, hein. The heck? Ok. Mail. Il y a rien d'autre. On va aller dans le bureau du docteur. L'hôpital va faire ça. On s'accroupit.
en garde pour perdre les et pour regagner les FPS. Ça, c'est vraiment complètement con. Sur pause pour lire. Allez, hop là. Je suis vraiment désolé de vous poser une si mauvaise qualité, mais bon. C'est soit ça, soit je le filme pas, malheureusement. Et vous préfériez peut-être que je le filme pas. Descendre par là. On va essayer de regarder la quête. J'ai rien loupé là-haut, c'est sûr. Il y a le coffre, mais je peux pas l'ouvrir. Bon, piratage de niveau 3. Donc, il y a quelque chose de secret. Les Donnerodes, cherche pas, je vais les avoir. Je vais les avoir, ces Donnerodes, t'inquiète pas pour ça. D'accord. On va encore regarder. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était le prochain qui m'a acheté. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.